1880. Marseille est une plaque tournante de l'héroïne. C'est l'époque de la French Connection, du nom de ces réseaux qui importent la drogue aux États-Unis, en passant par Marseille, voire la fabrique ici. Une dizaine d'années plus tard, l'héroïne est toujours très présente dans la ville et un virus apparaît. Ceux qui l'ont vécu ont les années sida gravées dans leur mémoire. L'épidémie touche principalement les homosexuels, les hémophiles, mais aussi les usagers de drogue, stigmatisés, invisibilisés. Dans les Bouches-du-Rhône, à cette époque-ci, on a une spécificité. C'est l'endroit en France où le VIH est le plus souvent attribué à l'usage de drogue. Ici, un cas de séropositif sur deux est usagé de drogue. Marseille, avec 1600 cas de VIH pour 1 million d'habitants, contre 600 en France, est qualifiée de ville sinistrée. En 1987, les morts s'accumulent en France et à Marseille. La ministre de la Santé de l'époque, Michèle Barzac, autorise la vente libre de seringues. La réduction des risques n'est plus taboue et Marseille est proactive. On y voit circuler un bus d'échange de seringues mis en place par Médecins du Monde, mais aussi, première en France, des distributeurs de kits à injection sont installés dans toute la ville. Plus tard, viendront les programmes de substitution avec notamment le bus méthadone. Aujourd'hui, le virus continue de circuler, même si le nombre de personnes contaminées n'a plus rien à voir avec ce qu'il a pu être. Quant à l'héroïne, elle a quasiment disparu de la ville. En tout cas, on ne trouve plus de point de vente. Mais la cocaïne, elle, coule à flot. Elle inonde les rues et toutes les strates de la société, des plus riches aux plus pauvres. Les plus accros, les plus précaires, eux, se l'injectent directement pour un effet plus intense et plus long, avec moins de produits qu'en la sniffant. À Marseille, les consommateurs de drogue les plus précaires consomment aussi beaucoup de médicaments, comme le tramadol, un opiacé. Ces médicaments ne sont pas faits pour être injectés, mais comme le dit Claire Duport, sociologue qui réalise tous les ans un rapport sur les tendances et les usages des drogues à Marseille, elle dit donc qu'un injecteur trouvera toujours le moyen de s'injecter. Ces derniers, selon elle, représentent une toute petite partie des consommateurs de drogue. Mais ce n'est pas pour cela que la situation n'est pas problématique. À Marseille, les personnes qui s'injectent dans la rue seraient entre 1000 et 1500. Cela représente plusieurs milliers de situations de danger par jour qui pourraient être évitées. Ce constat, Stéphane Acoca, le directeur de l'association Assud Marseillais, association d'autosupport des usagers de drogue, l'a bien en tête. Si une salle de shoot venait à ouvrir, ça serait son association avec d'autres partenaires qui la géraient. Il est présent ce soir et je l'invite à me rejoindre sur scène. Ouais. Donc Stéphane Acoca, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes donc travailleur social, directeur d'Assud Marseillais. Et aujourd'hui, quel est le but de votre association? Donc voilà, notre association aujourd'hui, elle porte un CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. L'idée, donc, c'est les missions, c'est de limiter les contaminations, aider les personnes au niveau de leurs droits sociaux, le droit à la santé, en tout cas de pouvoir accéder à un certain nombre de soins dont ils sont exclus de fait parce que il y a des procédures, il faut avoir des papiers, il faut avoir une carte vitale et souvent, la vie à la rue fait que les gens perdent leurs affaires. Et du coup, ça devient très, très compliqué. Vous parliez de contamination, surtout d'hépatite C, hein, qui circule beaucoup en ce moment. C'est ça. C'est-à-dire que au niveau du VIH, simplement en distribuant des seringues aux personnes, on a vu effectivement baisser les contaminations qui sont passées de près de 50% des nouvelles contaminations à moins de 2% aujourd'hui. Par contre, au niveau de l'hépatite C, on a vu vraiment augmenter aujourd'hui sur Marseille. Parmi les usagers de drogue, on estime qu'il y a 50% des gens qui ont l'hépatite ou ont eu l'hépatite.
Faut savoir que l'hépatite, il y a aujourd'hui un traitement, mais il est quand même assez long et assez cher. Donc pour les gens qui n'ont pas de papier, tout ça, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, il y a vraiment notre enjeu, c'est vraiment l'hépatite C, puisque pour l'hépatite C, c'est un virus qui est beaucoup plus résistant. Il faut une quantité infime pour contaminer, contrairement au VIH. Qui meurt à l'air libre en quelques secondes. Et du coup, ça nous a amené aussi à travailler nos façons de faire pour aider les gens, à, au-delà du sida, à essayer de ne pas se contaminer ou se recontaminer à l'hépatite C. Et ce qui nous a amené à aller plus loin dans l'accompagnement, non pas uniquement distribuer des seringues, mais apprendre aussi aux gens à les utiliser qu'il y ait un travail vraiment d'éducation pour savoir... Tous les risques, on en parlait tout à l'heure, de consommer dans un endroit qui n'est pas propre ou avec des mains souillées, c'est une façon de risquer d'avoir un abcès. Or, les abcès, derrière, quand ils sont mal soignés, on sait que ça peut amener des péricardites, des problèmes cardiaques et des gros soucis. Et on sait que quand c'est fait dans des bonnes conditions, à l'hôpital, les gens n'ont pas d'abcès. C'est parce que les conditions sont correctes. Donc, en travaillant sur ces conditions-là, les choses pourraient évoluer. Qu'est-ce qu'une salle de consommation à moindre risque changerait dans votre mission ? Alors, une salle de consommation, ça changerait, on a vu, pour les usagers, en termes d'un lieu pour consommer... dans des conditions qui soient dignes, un lieu qui soit propre, avec du matériel qui soit propre à chaque fois. Il y a la possibilité d'avoir des conseils pour pouvoir consommer. On disait tout à l'heure, les gens qui n'ont plus de veines, justement, les veines, c'est un capital veineux. Et ce capital, il peut s'entretenir quand on arrive à faire les choses le plus correctement possible et entretenir son réseau veineux. Donc il y a ces possibilités là, mais il y a aussi surtout à côté des consommations qui n'auraient pas lieu donc dans la rue, les personnes peuvent rencontrer des soignants, des travailleurs pairs, revenir un peu pour avoir des droits, pour pouvoir se rapprocher, retrouver, être accompagné quand les gens le désirent, pour pouvoir essayer d'avoir un hébergement, d'avoir un logement, de pouvoir retrouver un travail, de pouvoir avancer par rapport à tout ça. Donc ça, c'est important par rapport aux usagers, mais il faut voir aussi par rapport au quartier, c'est-à-dire qu'actuellement, comme on l'a dit, il y a beaucoup de consommations qui ont lieu dans la rue. Et les personnes, les habitants ont très peu de possibilités de pouvoir faire intervenir quoi que ce soit, en tout cas n'ont pas d'interlocuteurs quand ils ont des difficultés. Et l'intérêt de la salle de consommation, c'est vraiment c'est pas uniquement le lieu de la salle de consommation, mais l'intervention se passe aussi à l'extérieur de la salle de consommation. Alors, on va en parler justement. Donc, vous avez confectionné, on va dire, un projet. Mm-hmm. Ce projet, il se matérialise ? Quelles sont les modalités ? Est-ce que c'est ouvert 7 jours sur 7 ? Horaire ? Alors, juste avant, je voudrais quand même préciser que c'est un projet qui ne vient pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été travaillé depuis 2010. Il avait déjà été déposé aussi en 2019 par rapport à l'hôpital de la Conception. Et puis, il y avait des élections qui approchaient. Et du coup, le projet a capoté. On a réadapté ce projet-là pour pouvoir aller sur d'autres lieux. Du coup, réadapter, ça donne quoi ? Au niveau du projet en lui-même, après la réadaptation, c'est en fonction du lieu dans lequel on souhaite arriver à l'implanter. Alors, déjà, sur les modalités, comment est-ce que c'est ouvert tous les jours ? Combien d'heures par jour ? Ok. C'est un projet, donc une salle de consommation, ça travaille tous les jours, puisque les usagers de drogue consomment des drogues tous les jours. Donc c'est un projet qui est prévu pour travailler tous les jours de l'année, dans laquelle il y a 14 salariés. Donc c'est un gros budget, c'est un budget d'un million d'euros par an pour arriver à faire fonctionner tout ça. C'est ouvert donc 8 heures par jour, 7 heures aux usagers. Après, en fonction du lieu, puisque le lieu n'est pas encore totalement déterminé, on verra en fonction des moments de la journée, des horaires qu'il faudra adapter par rapport à tout ça. C'est pas mal. Vous disiez aussi qu'il y a un travail qui est fait autour de la salle, c'est ça ? Et c'est ce qui est important aussi, c'est que ce projet, il n'a pas été bâti uniquement par Sud Marseillais. Ont participé à ce projet l'ensemble des CARUD marseillais et l'association Nouvelle Aube aussi. Ouais, dans laquelle l'idée, c'est qu'on puisse mettre en synergie chacune des spécificités de ces associations
pour arriver à avoir un projet qui soit à la fois très efficace à l'intérieur de la salle de consommation, mais aussi à l'extérieur, pour essayer de faire en sorte que, ben, que quand il y a des gens qui consomment à proximité, de pouvoir aller leur conseiller d'aller aller consommer dans la salle, ça sera quand même beaucoup mieux, et la majorité des gens accepteront et voudront aller dans ce cadre-là, quoi. J'ai une dernière question. Donc, on parlait de la limitation des risques, mais aussi d'une question de dignité. C'est important pour vous. Oui, c'est sûr. Alors, il y a vraiment cette idée-là de notre position. On fait de la santé publique. Là, c'est vraiment une logique de santé publique et axée sur les droits de l'homme et vraiment dans une logique de dignité des personnes. Et on sait que quand les gens sont dans des mauvaises conditions, quand ils consomment dans des conditions dégradantes pour eux, ça dégrade aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et plus on a une image de soi qui est dégradée, plus on va être enclin à accepter de prendre des risques pour pouvoir consommer. Et donc, c'est vraiment une logique qui est contre-intuitive par rapport à ce qu'on pourrait penser. On pourrait dire qu'il suffirait qu'ils s'arrêtent de prendre des drogues. Et en fait, l'idée, elle n'est pas là. C'est-à-dire que les drogues, elles sont déjà sur notre territoire et que les drogues, ça fonctionne. C'est quand des gens ont des vies qui sont difficiles, c'est des produits qui aident aussi les gens à passer le cap. Des fois, quand les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas ont tendance à dire c'est le problème, et pour nous c'est à la fois le problème et la solution. Et donc l'idée, c'est pas de retirer les drogues. Si on enlève les drogues, on sait que ça va se décaler sur d'autres objets. L'addiction, c'est pas uniquement les produits, c'est aussi des pratiques. Et on sait que quand les personnes sont centrées sur une seule source de plaisir, eh bien, ça se réduit de plus en plus. Et au bout d'un moment, on arrive dans des situations qui sont très difficiles. D'où l'intérêt de rencontrer les gens le plus tôt possible dans leur trajectoire de consommation pour pouvoir les aider et les amener à gérer le mieux possible ces consommations et faire en sorte que dans leur trajectoire de vie, ça puisse être un plus ou quelque chose qui soit pas trop quelque chose qui les tire vers les bas, plutôt quelque chose qui fait vraiment changer la trajectoire ou en tout cas amène à une vie qui est beaucoup plus difficile. Et c'est à ça que pourrait servir une salle de consommation. J'ai une dernière question. Est-ce que, selon vos informations, on a une date et un lieu? Alors là, on sent vraiment, c'est vrai que ce projet, il a été mis effectivement par le Printemps marseillais dans le programme de campagne. On sent, parce que nous aussi, on commence à remuer aussi en disant qu'il faut absolument qu'on accélère là-dessus, et on sent que la mairie est en train vraiment de se donner les moyens d'arriver à trouver des solutions là-dessus. Sur l'ensemble des acteurs, on voit qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément le sujet, d'autres qui ne veulent pas trop le connaître. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre aux politiques que c'est pas parce qu'ils vont mettre en place une salle de consommation qu'ils ne seront pas réélus. Dans tous les endroits sur Paris et sur Strasbourg où il y a eu ce type de salles qui ont été mises en place. Les élus qui l'ont mis en place ont été plébiscités la fois d'après parce que c'est une solution pragmatique qui fonctionne et qui est une réponse autre que juste de dire on va mettre les gens en prison ou à l'hôpital alors qu'on sait que les consommations ne cessent d'augmenter sur notre territoire. Et à un moment, c'est une solution. Alors, ce n'est pas la solution, mais c'est une partie de la solution pour l'usage de drogue, pour le public en grande précarité. Encore une fois, la salle de consommation, ça ne s'adresse pas aux gens qui ont des appartements. Ils vont préférer le faire chez eux, dans leur appartement. Par contre, pour tous les gens qui vivent dans la rue ou qui vivent dans des endroits avec dans des foyers d'hébergement où ils ne peuvent pas consommer sur place au risque de se faire exclure, du coup, ça pourrait vraiment répondre à un besoin là-dessus. Ouais, donc pour les plus précaires, donc un projet qui est ficelé, mais qui bloque, si je vous écoute, à un niveau plus haut, à un niveau politique. Il y a des politiques qui, pour l'instant, refusent encore de nous rencontrer. Voilà, donc pour dire les choses, mais on garde espoir et on pense que ça va se faire. Alors on est en train de travailler sur la zone pour pouvoir l'implanter, parce qu'on sent qu'il y a des blocages, et l'idée, c'est pas d'aller faire des manifestations devant chez les gens qui veulent pas nous voir, parce que l'idée, c'est qu'on travaille ensemble. Et donc, il faut qu'on arrive à convaincre, et ça prend du temps. Merci, Stéphane Akoka, d'être venu ce soir. En décembre 2022, des rencontres internationales de la réduction des risques ont eu lieu ici, à Marseille, au sein même de l'hôtel de ville. Sur le programme, on pouvait lire « Marseille s'engage, Marseille agit ». Le but de ces rencontres était clair : lutter contre le tout répressif,
contre les inégalités d'accès à la santé et faire preuve de courage politique. En 2020, Michel Rubirola a été élu maire de Marseille avant de laisser son siège pour celui d'adjointe à la santé. Lors de ces rencontres, elle s'est exprimée sur le sujet de la salle de shoot et elle a dit « Une salle de consommation ouvrira ses portes en 2023 à Marseille ». Elle devait être présente ce soir, mais le drame de la rue de Tivoli a bousculé son agenda et ses prérogatives, et on le comprend. J'avais, en préparant cette enquête, pris le temps de la rencontrer pour lui poser des questions. Elle a accepté de répondre face caméra, et on va regarder tout de suite ses réponses. Pour moi, c'est impératif que ça ouvre en 2023. Donc, il faut qu'elle ouvre en 2023. C'est pas un projet de fin de mandature. Pourquoi ? Parce que je sais que ce projet marche. L'INSERM a démontré que ça marchait, donc c'est pas des postures idéologiques qui disent que ce projet marche et ce projet est nécessaire. Mais il faut que la population soit persuadée et en ressente les effets positifs. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. C'est un peu compliqué puisque d'après les experts, d'après les associations, et puis j'en suis convaincue, il faut trouver le lieu là où les consommateurs sont. Donc c'est le centre-ville de Marseille. Le cahier des charges nous impose quand même un lieu de 400 mètres carrés avec un intérieur parce que pour éviter les nuisances, parce que si les consommateurs viennent avec des chiens, s'ils ont envie de fumer la cigarette, puisque fumer la cigarette c'est un paradoxe, mais on peut s'injecter, on peut inhaler, mais on ne doit pas fumer à l'intérieur des locaux. Donc pour éviter toute nuisance sur l'espace public, on préférerait qu'il y ait un jardin intérieur, une cour intérieure. C'est un petit peu compliqué à trouver au centre-ville de Marseille. Je pense que quand on a trouvé le lieu idéal, après on fait le forcing pour avoir toutes les autorisations nécessaires. Voilà. On a l'autorisation des mairies centrales, et ensuite quand on a le lieu idéal, il faudra aller voir la mairie de secteur pour que ce lieu aussi soit idéal pour la mairie de secteur. Voilà, c'était donc Michèle Rubirola, adjointe à la santé de Marseille. Peut-être que je dois vous dire que quand elle parle du centre-ville, elle parle plus précisément du premier arrondissement. Elle a d'ailleurs visité deux lieux dans le premier arrondissement sur lesquels ils envisagent de mettre des containers aménagés, comme c'est le cas à Genève, on va le voir tout de suite à l'écran. Selon nos informations, la mairie centrale a échangé avec la mairie de secteur à ce sujet. Il faut savoir que l'accord de la mairie de secteur est indispensable pour ouvrir une salle de consommation à moindre risque. Alors, on ne connaît pas la teneur exacte de ces échanges, mais je suis allée poser la question directement à Sophie Camard, qui est la maire du premier arrondissement. Elle ne s'y attendait pas forcément. C'était le mois dernier lors d'une réunion publique et on écoute sa réponse. Je travaille sur la salle de consommation à moindre risque. Ouais. Et on m'a dit qu'il y avait un lieu, voire deux, mais surtout un qui était positionné dans le premier arrondissement. Non. Non. Il n'y a aucun lieu pour l'instant qui... Bah, lequel ? 400 mètres carrés, un terrain sur lequel pour l'instant il n'y avait aucun aménagement, qui avait plutôt vocation à... Enfin, sur lequel on pourrait poser des containers pour faire des structures. Non. Alors en plus, alors, cette histoire de containers, je trouve ça complètement indigne d'un projet comme ça. Moi, les projets que je connais, c'est adossé à l'hôpital et... Vous parlez du projet de l'ancienne municipalité qui était porté par M. Padovani, qui était adossé à la PHM. Moi, j'ai vu un projet d'une centaine de pages, qui était bien foutu d'ailleurs, avec la PHM, un foncier identifié vers la conception. Là. Résultat des courses, en fait, ça refait le tour de la terre, cette affaire. Vous n'avez pas eu de discussion avec la mairie centrale sur un lieu? Je sais qu'ils cherchent, mais si c'est pour me dire on met des toxicomanes dans des containers, c'est de la folie, quoi. Pour vous, il n'y a pas de lieu qui pourrait accueillir ce genre de structure dans le premier arrondissement. Et moi, je pense que, en fait, en plus, c'est pas sérieux, quoi. Il y a des endroits où on fait ça. Je crois que c'est à Genève qu'il y a une structure comme ça avec des containers aménagés de manière. Alors, si le débat c'est de comparer Marseille à Genève, Marseille n'est pas Genève.
d'accord, donc on va se calmer. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi un manque de courage politique de votre part ? Enfin, c'est souvent le problème sur ce projet-là, de salle de consommation à moindre risque. On dit, bah oui, c'est bien, mais en fait, pas chez moi, quoi. Personne ne veut l'accueillir, et ça fait des années, en tout cas à Marseille, que le projet est repoussé. Bah non, ils n'ont qu'à présenter un projet crédible. Voilà. Et puis, je ne sais pas, la ville est grande. Hein ? En tout cas, pas dans le premier arrondissement. Bah en tout cas, moi, je ne vois pas où est-ce qu'on peut les mettre dans le premier arrondissement. Si vous avez un foncier, faites-moi signe. Voilà. Wow. Je suis aussi allée voir les CIQ. Alors, les CIQ à Marseille, ce sont les comités d'intérêt de quartier. Ce sont des associations qui représentent une partie des riverains. Ces associations ont beaucoup de voix puisqu'elles dialoguent régulièrement avec les élus locaux. On écoute Michel Poulange, qui est le président de la fédération des CIQ du 1er arrondissement. Je pense que les habitants ont cette crainte, c'est que si il y a une salle de shoot qui s'installe dans le quartier, ça incite justement des personnes droguées à venir plus, ça peut les concentrer dans le quartier. J'ai 9 CIQ avec moi. Je pense que j'ai les propos les plus modérés qui possible, parce qu'il y en a d'autres qui risqueraient d'être plus violents par rapport à ces choses-là. Finalement, est-ce qu'on ne dit pas dans ce projet-là toujours, bah oui, le projet en lui-même, théoriquement, il est bien, mais en fait, pas chez nous, quoi, à côté. Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est absolument certain. C'est un peu ce que vous dites aussi, là. Moi, l'argument que j'apporte par rapport au premier arrondissement, comme je le ferai aussi pour le troisième, mais je ne suis pas concerné par le troisième, c'est la densité. La densité d'habitation qui fait qu'il n'y a pas l'espace de respiration autour du lieu pour qu'il ne soit pas une perturbation pour le quartier. Ce qu'on cherche, et je pense que Mme Camard aussi dans cette même logique, c'est trouver des mètres carrés pour pouvoir planter des arbres. Et le problème, c'est que si on trouve un espace de 400 mètres carrés, la priorité des priorités, c'est de mettre un espace vert. Voilà, c'est ce qui me paraît très nécessaire. Vous pensez que c'est plus important? Alors j'entends l'argument écologique, hein, c'est un argument qui nous concerne tous. Mais vous pensez qui nous concerne tous et qui concerne aussi la mairie telle, dans son orientation aussi, hein. Et vous pensez que c'est plus important aujourd'hui de planter des arbres à cet endroit-là plutôt que peut-être sauver des vies, finalement? On ne peut pas le dire comme ça. C'était Michel Poulange, qui est président de la Fédération des CIQ du 1er arrondissement. Et après l'avoir rencontré, je suis allée poser la question directement aux riverains, vers les réformés, vers la gare Saint-Charles. Je leur ai demandé s'ils étaient favorables ou non à l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque dans leur quartier. On écoute leur réponse. Ben, je pense que c'est bien en fait. De toute façon, c'est un quartier où les gens consomment. Moi, je les vois clairement depuis ma fenêtre se shooter sur les justement rebords d'encadrement de portes, etc. Donc non, je pense qu'au contraire, ouais, c'est nécessaire. Ouais. Moi, je suis plutôt contre, même totalement contre. Ici, il y a suffisamment de délinquance sans en plus ramener d'autres délinquants, etc., qui perturbent l'ordre public. C'est très bien peut-être de le faire comme ça, mais pas ici, quoi. Moi, je suis plutôt pour, parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait des passerelles pour essayer de quitter la drogue et passer à autre chose. Je sais que c'est long, que c'est difficile, mais il faut qu'il y ait un bon encadrement. Non, j'ai pas peur que ça dégrade le quartier. C'est un quartier qui est à la limite de la grande bourgeoisie ici, mais c'est aussi à la limitrophe avec un quartier pauvre. Et je trouve ça bien. Voilà. Je suis pour... Si ça peut éviter des dégâts, des gens qui sont à la rue, des gens qui font n'importe quoi, si c'est régularisé sérieusement, bien sûr que je suis pour. Mon avis est partagé là-dessus, parce que je considère que c'est à la fois une bonne chose que les gens puissent se piquer, mais tranquillement, sans danger pour eux, mais en même temps, cela peut attirer une population qui est susceptible de causer des problèmes dans le quartier. C'est ce qui se passe à Paris, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Je trouve ridicule de laisser des gens dehors. Je suis pour, à 100%.
Je suis tout à fait contre ce genre de regroupement, d'associations, de rencontres. Les rencontres, oui, mais pour éduquer les jeunes à ne pas utiliser ce genre de drogue ou d'addiction ou de ce qu'on appelle. Moi, j'écoutais à mon âge, je n'ai pas pratiqué et j'espère même. J'espère aller y arriver jusqu'au bout. Mais moi, je suis contre tout ça. Non, non. Il y a tant d'autres activités à faire que de consommer. Il y a plein d'autres activités. Vous avez entendu des réponses diverses, c'est varié, et souvent peu informées. Le mois dernier, la Fédération Addiction, qui comprend 10 associations, dont ASUD, a écrit un courrier à Jérôme Salomon, le directeur général du ministère de la Santé. Dans ce courrier, les associations demandent, entre autres, que les mairies concernées par des projets de salles de consommation à moindre risque n'aient pas de droit de veto. Cette modification, dit-on dans la lettre, permettra à l'État de retrouver la responsabilité qui doit être la sienne dans la création de dispositifs de santé. Pour l'heure,